match de Coupe de Tron. C'est toujours un match spécial, c'est toujours un match différent, c'est toujours un match que nous ne pouvons pas dire que c'est un match comme le Botola, c'est totalement différent. Alors, nous devons être avec la savoir que tous les scénarios sont possibles. C'est la possibilité d'aller à l'extra time, la possibilité d'aller aux penalties. Pour nous, nous devons savoir que notre équipe doit continuer avec la tête forte, avec la capacité mentale pour savoir que ça c'est match de Coupe de Tron. C'est pas comme commence le match. Le match, nous devons savoir que s'il y a la difficulté, tout le respect pour Tanger parce que je connais très bien que c'est une bonne équipe. Alors, pour moi, c'est pas une surprise que le match est difficile, c'est pas une surprise que Tanger a fait le but, c'est pas une surprise que le match s'est pas gagné dans les penalties. Alors, je pense que c'est clé que l'équipe connaît cette situation et arrive à le match avec la. Avec la capacité mentale de savoir la dificulté del match, que sea un match que puede hacer como ça. Arribé al penalti, el equipo ha continuado avec la capacité mental de saber que sea una posibilidad. Y le ha para la sorpresa de decir, ah, oh, c'est très mauvais, que nos dan el penalti, no debemos ganar 4-0, no, sepa como ça. El equipo conoce que es difícil, que la Coupe de Tron, même quand toujours de no a votre terreno, a votre estado. Visitant avec un public comme Tanger qui fait beaucoup d'appui à son équipe. C'est un match difficile. Finalement, la victoire, c'est pour nous, je pense que mérité. Pourquoi? Parce que l'équipe a continué avec la capacité mentale de continuer dans les matchs. Le but de Tanger a fait très rapide. C'est un but que. Pechance le match, mais nous devons continuer avec comme ça fait. Le match s'est commencé à être plus ouvert, aller-retour, chance pour Tanger, chance pour nous. Nous avons travaillé jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière action, ballon arrêté. Et finalement, le match nul. Et finalement, dans les pénalties, je pense que l'équipe a montré une grande personnalité, un grand caractère, une grande capacité pour compétir. Que tu penses que je suis contrarié pour la question, non, c'est magnifique, je peux parler magnifique, très bien. Et notre équipe, c'est une équipe avec un effectif d'excellente qualité, de très bons joueurs, même à niveau de qualité, même à niveau de quantité, parce que nous avons un effectif grand. Chaque position, il y a 2-3 personnes qui peuvent jouer l'équipe titulaire toujours. Il y a beaucoup de matchs. Yahya Diallo, avait de jouer tous les matchs, l'équipe nationale, il est fatigué. Alors parfois il besoin un match de se reposer parce que sinon vient la fatigue, la blessure, les cartons. Alors c'est très simple. Quand se parle de joueurs qui sont pas ici aujourd'hui, l'unique réponse que je te peux donner, c'est les joueurs qui sont ici aujourd'hui. Si Hassouni a joué pas, pourquoi joue Hassouni? Pourquoi non Moutarassi? Si Moutarassi, Ismail a joué, pourquoi non Hassouni? Si a joué l'autre, pourquoi joue pas l'autre? Ça c'est une chose normale, je suis très habitué à ça dans les grandes équipes, parce que toujours dit pourquoi un, pourquoi l'autre, mais l'entraîneur toujours a le travail, travailler avec les joueurs qui sont dans l'équipe, qui travaillent pour l'équipe, qui sont chaque moment plus en forme. Et toujours aussi, je dois dire une autre vérité, que parfois il y a des situations que se voit qu'il y a des possibles personnes qui sont intéressées en perturber l'équipe, parler à le public de choses qui ne sont pas vraies. Si je trouve ça, alors je dois être très dur, si je trouve ça, contre qui fait ça. Alors, dans l'équipe, il y a un très bon travail, ambiance dans l'équipe, tous les joueurs travaillent bien, il connaît qu'il y a une concurrence très importante, il connaît qu'il y a beaucoup de matchs, qu'il y a beaucoup de compétitions et que toute l'équipe, nous avons besoin de toute l'équipe ensemble pour travailler. Et il faut accepter que quand il y a un joueur qui va jouer, si je ne joue pas, je dois accepter et continuer le travail. Parce que si aujourd'hui tu me dis pourquoi un ou l'autre, si aujourd'hui, je te dis, Ismail Moutarassi, c'est pas à Casablanca. Dis, pourquoi Ismail Moutarassi c'est à Casablanca et non ici? Si c'est Hassouni, la même chose. Si c'est l'autre. Alors, je comprends ça, c'est normal. Il y a les journalistes qui font bla bla bla, bla c'est normal. Bla bla bla, je veux dire que fait la information. Non? Mais si je trouve une personne qui perturbe l'équipe, je le contracte. Je ne sais pas qui, mais je le dur. Le public doit savoir que l'équipe travaille bien, qu'il y a la concurrence très importante et nous devons continuer à appuyer l'équipe. Et qui non appuie l'équipe, je suis contre qui appuie pas l'équipe. Je suis
je suis avec les personnes qui appuient l'équipe. Alors ça c'est, je pense qu'en ce moment de la saison, c'est une question très importante. Notre équipe doit continuer le travail et la, la bonne concentration. Merci.